Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Aujourd'hui, je disais, aujourd'hui,
Bonjour Fabien. Donc tu as 38 ans, tu nous viens de Charleroi et tu es mieux connu sous le nom de Silent Fox Bushcraft. Ok, donc ça fait plus ou moins un an et demi que tu es sur YouTube et ton truc, toi, c'est le bushcraft en appréciant le son qui t'entoure. À part ça, tu parles ? Oui, bien sûr. Ah, content d'entendre le son de ta voix. Ici, on est avec Fabien de Silent Fox Bushcraft qui ben voilà, a bien voulu venir bivouaquer avec moi en cette belle période. Hein. Exactement. Donc voilà, ici, petite interview pour que vous puissiez un peu le connaître et découvrir en même temps sa chaîne. Donc ben voilà, Fabien, comment est-ce que tu as découvert, on va dire, le monde du bushcraft ? Sans le savoir, en fait, étant gamin, on faisait des cabanes, un petit feu, on faisait griller des saucisses. C'est comme ça que c'est devenu. Qu'est-ce qui t'a donné envie, maintenant, une fois adulte, de revenir à cet univers ? En fait, c'est une autre vision des choses par rapport à la nature, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut enchaîner avec des outils qu'on ne pouvait pas utiliser étant enfant. Construire quelque chose, changer un peu la vision des choses dans la nature et essayer de faire sortir un peu les gens de chez eux et de profiter. Parlons un petit peu de ta chaîne maintenant. Le concept, c'est vraiment d'aller dans les bois, de garder juste le son ambiant, d'amplifier pour permettre aux gens qui le regardent de profiter et de connaître aussi cette atmosphère qui t'entoure. C'est exactement ça. J'essaye d'immerger le spectateur, qu'il prenne plaisir à voir la nature déjà et voir ce qu'on peut faire pour s'en sortir en forêt. Et simplement profiter, avoir du bon temps, simplement. Et ton but derrière tes vidéos, donc, c'est de partager, aussi d'apprendre aux gens du coup, à s'en sortir et à se débrouiller dans les bois. Pour leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et ici, on a un bel exemple, puisqu'on est en plein hiver, les températures négatives. C'est vrai. Et on arrive quand même très bien à se débrouiller avec un confort. Minimum. Minimum et plus que confortable. Plus que confortable, bien sûr. Qui te motive, on va dire ? Qui est-ce que tu prends comme exemple ? Quelles sont tes inspirations, on va dire, dans ce monde du bushcraft ? Il y a une personne en particulier, c'est Myself Reliance, un Canadien, qui lui est parti de rien. Il a acheté un terrain et il a décidé de construire une cabane, plutôt un chalet. Et il a fait tout de ses mains, sans outils électriques, je veux dire, tous des outils manuels, de A à Z. Et c'est un modèle pour moi. C'est ce que j'aimerais bien réaliser, c'est un de mes rêves. Ok. Est-ce que tu pourrais donner envie aux gens qui nous regardent ? Je les en remercie en tout cas d'être présents sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci. Merci. Donc est-ce que tu pourrais dire en quelques mots, donner l'envie aux gens de venir de découvrir et de découvrir ta chaîne ? Simplement leur dire que de quitter un peu leur confort naturel, enfin leur confort de tous les jours et de profiter de la nature en apprenant peut-être avec moi ou bien avec toi Tom, de pouvoir évoluer en pleine forêt et surtout d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Okay. Donc voilà, si vous avez envie d'une vidéo calme, juste devant 5-6 minutes devant votre ordinateur, votre smartphone et que vous avez juste envie de profiter, bah, comme ici des sons qui nous entourent, Fabien propose de très belles vidéos, très contemplatives avec l'univers qui l'entoure. Donc moi, je vous le conseille en tout cas. Merci Tom. Ouais, je t'en prie. Donc voilà, sur ces belles paroles d'amitié, je propose que on complète avec une cuvée spéciale chauffe. La chauffe. Et chez Woodlander, ce n'est pas les choses à moitié, on ouvre à l'âche. Le reste, c'est pour les tapettes. Ouf. Hop là, on ramasse, on laisse rien traîner. Votre godet, mon cher. Oui, tout à fait. Il est là-bas. Merde. Le bushcraft, c'est aussi savoir profiter des petites choses. Hein. Un petit verre entre amis, une petite bière, une grosse bière, en l'occurrence ici. D'habitude, je fais une petite tasse en bois, mais là, le quart suffira. Merci. Santé. Santé, à notre amitié. Voilà. Et à Woodlander. Woodlander, c'est Silent Fox. On fait un petit bisou aussi au passage à Nescapade qui nous regarde peut-être. Santé, mon pote. Qui nous regarde. On a été un peu égoïste cette fois-ci, on t'a pas invité, mais la prochaine fois, tu seras des nôtres. C'est sûr. Santé. Santé.
Voilà qui conclut ce bivouac en compagnie de Silent Fox Bushcraft. Merci Fabien de nous avoir montré ce spot qui est vraiment génial. De rien, avec plaisir. Avec cette neige encore bien présente et ce petit cours d'eau bien bucolique juste à côté. Ouais. On reviendra certainement en été, dans une période où il fera un peu plus chaud, pour profiter encore plus de ce spot. Donc voilà. Si vous cherchez une chaîne chill, bushcraft, simple, sans rien d'autre, je vous conseille vivement la chaîne de mon ami Fabien. C'est pas du temps perdu et vous apprendrez tout aussi bien qu'avec des longues paroles. Donc voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Hein. C'est vrai. C'est le plus simple possible, en fait. Donc voilà. N'hésitez pas. Partagez, likez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient les chaînes. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.